m'est doux ce matin de partager avec vous la parole de Dieu que je vous invite d'ailleurs à ouvrir sur un texte qui se trouve dans Luc chapitre 17, le verset 11 à 19. Il fait suite un peu à ce qu'on vient de lire dans le psaume. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous montrer aux prêtres !» Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Ils sont bien dits qui ont été guéris, n'est-ce pas ? Où sont donc les 9 autres ? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. » Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Ils étaient 10 hommes, avec beaucoup de choses en commun. Leur condition de vie d'abord, car la lèpre a fait d'eux des marginaux, donc nécessairement à l'écart de la vie sociale, sans possibilité de travail, pas de toit fixe, des assistés réduits à la mendicité pour vivre. 10 hommes unis par la maladie et l'impossibilité d'envisager un avenir. Certes, une éventuelle guérison était envisageable, puisque la loi lévitique le prévoit. Il est dit justement dans Lévitique que s'il y a guérison, elle doit être constatée par les sacrificateurs. Mais l'aggravation de cette maladie, dans ces conditions de vie précaires, était plutôt inéluctable. Une maladie contre laquelle ils ne pouvaient lutter. Leur avenir est bouché et leur présent est insoutenable. Exclus de la société des hommes, ils ont dû non seulement renoncer à leurs relations professionnelles, mais aussi à leur vie de famille. Parents, femmes et enfants, ces gens qui sont si proches d'eux doivent être maintenus à distance. Et puis, il y a le regard des bien portants qui constamment les renvoie à leur propre détresse. Il y a aussi des regards de répulsion face aux ravages de la maladie, des regards de crainte face à la contagion possible, et même peut-être des regards soupçonneux comme celui lancé à l'aveugle né. Vous vous rappelez, ils ont posé la question à Jésus, qui a péché, lui ou ses parents?
Et le fait d'être dans un petit groupe, compagnon d'infortune, ne permet sans doute pas d'adoucir cette terrible solitude que chacun d'eux doit connaître. Rude souffrance que cette maladie. Alors, bien sûr, au passage de Jésus, le voyant venir de loin, tous entrevoient une petite lueur d'espoir. Et là, tous ensemble, comme un seul homme, ils vont à sa rencontre. Tous ensemble, mais respectant la loi concernant les lépreux, ils restent à distance, comme il se doit. Mais c'est d'une même voix qu'ils interpellent Jésus pour lui crier au secours, qu'ils demandent pitié. D'ailleurs, Jésus ne s'approche pas non plus de lépreux. Il garde ses distances. Il ne fait rien de spécial. Mais de loin, il les envoie simplement au prêtre. Verset 14, il a dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Et là encore, tous ensemble, ils obéissent à Jésus et partent dans la direction du temple. On peut faire ici un tout petit peu de spéculation. On peut se poser la question, que se passe-t-il dans leur tête ? Ils ne sont pas encore guéris quand Jésus les envoie vers les prêtres. Et on pourrait, en se mettant à leur place, les imaginer se posant plein de questions. Des prescriptions légales, nous les connaissons. Nous savons ce qu'il faut faire et nous savons que nous ne devons surtout pas nous approcher du temple. Et pourtant, nous dit l'évangile de Luc, ils y vont, ils obéissent. Et c'est pendant qu'ils cheminent vers les prêtres qu'ils sont purifiés. On peut alors supposer leur joie, l'empressement qu'ils ont d'aller vers les prêtres pour montrer qu'ils sont purifiés, pour remplir le rituel de façon qu'il y ait véritablement constat de leur guérison. Et vous comprenez ce que ça signifie pour eux, réintégration au sein de la société et de leur famille. Tous ont partagé une même détresse. Ils ont eu une même démarche, une même attente, une même demande, une même obéissance et finalement une même guérison. Une belle histoire commune, une bien belle histoire. Mais cette histoire ne s'arrête pas sur cet harmonieux happy end. Eh oui, l'un des 10 hommes, le Samaritain, va se distinguer des autres en revenant lui seul auprès de son bienfaiteur. Les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Interroge tristement Jésus. Mais les 9 autres, où sont-ils ? Où sont-ils ? Luc n'indique pas pourquoi les 9 autres ne sont pas revenus vers Jésus. Mais force est de constater que ni leur foi initiale, leur confiance initiale, ni la guérison reçue ne les ramène vers Jésus, vers celui en qui ils ont cru au départ,
vers celui qui a répondu à leur attente. Mais non, ils sont déjà loin, bien loin de ce Jésus qui, en croisant leur chemin, leur a pourtant si bien témoigné son amour. Oui, Jésus a de quoi être attristé et même indigné de cette ingratitude qui, à l'évidence, renvoie à l'ingratitude de tout le peuple juif envers le Messie. Et d'une manière générale, dépeint bien significativement le cœur humain. Neuf sur dix sont tout à leur joie, tout à leur nouvelle vie, oubliant celui qui en a fait le don. Neuf sur dix gardent le cadeau sans regarder à celui qui l'a offert. Neuf sur dix reçoivent le cadeau tel quel, sans tisser les liens de la reconnaissance. Neuf sur dix ne discernent pas les liens invisibles de l'amour dont le cadeau était porteur. Neuf sur dix ne perçoivent pas en leur guérison le salut que l'amour de Dieu pouvait leur offrir en plus. Il arrive que dans le bonheur familial, quand on jouit d'une bonne santé, quand on a un travail en poche et des habitudes de vie qui jalonnent doucement notre existence, je peux me poser la question, suis-je vraiment reconnaissant envers celui qui me les donne ? Un samaritain, c'est-à-dire un étranger, mais c'est-à-dire aussi un homme dont la foi est moins éclairée que le peuple juif. Parce qu'un samaritain, c'est quelqu'un qui est un peu en marge quant à la doctrine et aux pratiques religieuses. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un pilier de l'Église. Et pourtant, c'est cette personne-là qui revient vers Jésus et qui seule, sur dix, donne gloire à Dieu. Un demi-tour qui change tout. Là non plus, Luc ne s'étend guère sur les motivations intérieures du Samaritain. Il décrit seulement la scène. Le Samaritain fait un retour sur lui-même, se voyant guéri, nous dit le texte. En fait, il constate l'œuvre du Christ dans son existence, ce qu'il était avant et ce qu'il est maintenant, grâce à l'intervention de Jésus. Il prend la mesure de l'événement et considère le moment décisif de cette rencontre avec Jésus. L'efficacité de la parole de Jésus, son amour extraordinaire. Et pour lui, c'est le début de la conversion. Oui, c'est bien cela, une conversion. Il fait demi-tour et change de direction. N'est-ce pas ça une conversion ? Il s'extrait du groupe qui, eux, s'éloignent loin de Jésus pour aller faire constater leur guérison au prêtre. Mais lui, le Samaritain, il retourne là où les choses ont changé pour lui, là où se tient Jésus,
Jésus qui les a changés, il revient et glorifie Dieu à haute voix. C'est incroyable. Déjà, cet homme témoigne publiquement. Lui, qui criait sa souffrance, chante maintenant sa reconnaissance. C'est vrai qu'il y a de quoi être reconnaissant. Le Samaritain s'en rend compte. Tout ce à quoi il avait dû renoncer redevient possible pour lui. Toutes les relations qui avaient été rompues peuvent être de nouveau reconstruites. Et puis, il y a aussi tout ce qu'il n'a jamais connu. Il va pouvoir le découvrir. Il va pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et enfin créer des liens qui ne soient pas imposés par la maladie. C'est une expérience vraiment bouleversante. La santé retrouvée lui ouvre de multiples et de nouvelles possibilités. Cette guérison est pour lui un peu une résurrection. D'ailleurs, au verset 17, Jésus nous fait part de son étonnement. Il dit au verset 17, « Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Où sont-ils ?» Et il est heureux, Jésus, de constater qu'un Samaritain vient lui dire « Merci ». Et il tient à ce que cela soit raconté dans la Bible. Sinon, nous n'aurions pas su aujourd'hui. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Il revient sur ses pas pour dire merci. Pour dire merci tout de suite. Pour lui, il est plus urgent de venir dire merci à Jésus que d'aller accomplir le rite. Ce n'est pas qu'il rejette les cérémonies ou les liturgies prescrites par la loi. Non, loin de là. Mais voilà une relation maintenant l'unit à Jésus-Christ. Faire une relation faite de foi et d'amour. Et elle passe avant tout le reste. La gratitude du cœur compte plus que l'observance d'un rituel. Le don reçu se mesure au temps passé à l'écart de la société, dans la solitude. Mais notons-le bien, il mesure aussi le don gratuit qu'il vient de recevoir. Car en revenant sur ses pas, le Samaritain s'unit en quelque sorte au Christ, dont il n'avait sollicité au départ que la puissance de guérison. Il voulait tout simplement un miracle pour lui. Mais son attitude rend gloire à Dieu. En revenant sur ses pas, en glorifiant Dieu à haute voix, en se jetant aux pieds de Jésus et en lui rendant grâce, l'étranger qu'est le Samaritain a honoré Dieu et est devenu un enfant de Dieu. Peut-être qu'à notre tour, on pourrait rendre gloire à Dieu, même si, et peut-être surtout, si nous n'avons jamais été gravement malades, ou même tout simplement, si nous avons toujours fait partie du peuple de Dieu, nous avons toujours été sur ces bancs de l'Église. Je ne vous apprends rien en vous disant que guérir les hommes
de leur ingratitude est plus difficile que de les guérir de leur maladie. Et Jésus en a fait l'expérience. La reconnaissance du cœur ouvre à la reconnaissance de la foi. C'est ce qui s'est passé pour le Samaritain. La reconnaissance du cœur ouvre à la reconnaissance de la foi. Et seul cet étranger qui revient vers Jésus, va connaître une guérison intérieure. En plus d'une nouvelle vie physique, il est sauvé. Et c'est Jésus lui-même qui le lui dit. En revenant à celui qui lui a fait le don de la guérison physique, le Samaritain va recevoir une bénédiction plus grande encore, bien plus grande que la guérison du corps, c'est-à-dire la vie éternelle, le salut en Jésus-Christ. Certes, Jésus est bien celui que l'on appelle au secours. C'est vrai. Jésus est bien le maître que l'on peut implorer pour être guéri. Mais Jésus est tellement plus que cela. Jésus, c'est aussi celui qui purifie l'homme de son péché, le délivre de sa misère et de son passé, celui qui nous restaure dans la communion du Père. Il est le Sauveur qui accorde la vraie vie, le Seigneur qui vient jusqu'à nous pour nous offrir le salut et donner un sens à notre existence. Nous qui sommes là, nous sommes destinataires de nombreuses bénédictions. Enfants de Dieu, par la foi, nous avons reçu le salut. Donc, soyons reconnaissants. Revenons inlassablement à Jésus pour lui manifester notre gratitude. Il nous sera ainsi donné de mieux le connaître et de repartir dans la vie plus fort, comme le Samaritain, plus fort dans cette communion avec lui. La gratitude, c'est une clé magique. Il suffit de l'utiliser et le monde apparaît soudain comme merveilleux. Ce qu'il y a d'incroyable dans la gratitude, c'est que c'est un sentiment à l'état pur et qu'il est impossible de l'éprouver sous l'emprise d'émotions négatives telles que la peur ou la colère. La gratitude est liée à la reconnaissance. La gratitude, c'est la compassion. La gratitude, c'est la joie. La gratitude, c'est l'espérance. Cultivons la gratitude. Je termine par ce texte qui se trouve dans Hébreux, chapitre 12, le verset 28. Paul nous dit, « Soyez donc reconnaissants. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Que Dieu vous bénisse. Amen. »